sur scène au théâtre Édouard VII dans une situation délicate aux côtés de Gérard Darmon, Clotilde Courau aura le plaisir de jouer cette pièce en Suisse au mois de janvier. Cela lui permettra de passer du temps dans ce pays auquel elle tient beaucoup car l'actrice y a passé de nombreuses années, parmi les plus importantes puisque s'y est il a que sont nés ses deux enfants Victoria, 18 ans, et Louisa, 16 ans, née de son mariage avec le prince Emmanuel Philibert de Savoie. En interview pour l'édition suisse du magazine Elle, la sublime actrice de 53 ans se confie sur son rôle de maman de deux filles désormais grandes. Au cours de cet entretien, celle qui donnait la réplique à Vanessa Paradis dans Elisa s'était penchée sur la longévité de son couple avec Emmanuel Philibert, qu'elle a épousé il y a près de 20 ans. Elle a ainsi confirmé vivre géographiquement séparés tout en précisant que ce n'était pas seulement ce qui explique pourquoi leur couple dure, si IST peut être l'une des clés du succès mais ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs éléments importants dans la longévité d'un couple, le dialogue, la vérité et l'acceptation de l'autre dans ses différences. Mère et actrice, actrice, épouse et maman, Clotilde Courau a ralenti sa carrière au début des années 2000 pour pouvoir se consacrer à sa famille. Elle a adoré devenir maman mais s'insurge contre la tyrannie de la mère parfaite, si est-y arrivé à des femmes que je connais bien et si est-y dans ces moments que l'amitié féminine intervient, car on s'entraide. On a toutes des périodes compliquées quand on devient maman. Très présente durant leur enfance pour ses filles qui n'ont que 2 ans d'écart, Clotilde Courau est fière de voir ses deux grandes devenir autonomes, elles vivent même toutes deux outre-Manche. En effet, si l'on savait que l'aînée et sosie de sa maman était en Grande-Bretagne, la cadette l'a suivie manifestement, Victoria et Louisa étudient toutes les deux en Angleterre mais je reste très présente et toutes les 2 à 3 semaines, je vais les voir. Être nous, le dialogue est primordial. Le lien est nécessaire afin de construire leur vie de femme et en plus cela me rassure.